Bonjour les amis, aujourd'hui on est à Buzneka pour le lancement officiel de la nouvelle classe A, Mercedes classe A, full model change. Oubliez tout ce que vous avez vu et connaissez sur la classe A, ça c'est le modèle la quatrième génération et il y a des changements à tout le niveau. Bon, la carrosserie elle est plus grande, les phares sont plus grands, les motorisations sont différentes et là on va avoir le privilège d'avoir le nouveau directeur général, M. Hadi Bounani, avec nous pour faire un petit test drive et nous parler de la voiture. Allez, on y va. C'est Hadi. Félicitations. Merci. Et là, on est dans la full model change, nouvelle classe A. Bon, déjà il fait chaud à l'extérieur, il fait 28 degrés à l'extérieur et nous on est bien ici, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, les vitres sont fermées. D'ailleurs, on peut demander à Mercedes de. Alors, la grosse nouveauté sur Mercedes, c'est le MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Exact. Et le user experience, c'est que tu peux parler avec la voiture. Et là, c'est aujourd'hui Mercedes met la barre très très haut dans ce niveau de voiture parce que elle est la seule au monde à proposer ce système. Donc, on va parler avec la voiture et on va lui dire Mercedes augmente la clim. Pardon? Règle la température à 20 degrés. Voilà. Ok, je règle la température sur 20 degrés. Ah ben voilà. Ben voilà, la température, on le voit ici, a été réglée automatiquement. Bon, 20, c'est un petit peu beaucoup. Hey Mercedes? Oui, s'il vous plaît. Réglez la température à 18 degrés. Ok, je règle la température sur 18 degrés. Ouais, parce qu'effectivement, il voilà. Fait chaud. Est-ce que vous... ouais. Donc, hey Mercedes? Ah bah elle me reconnaît pas là. Ah bah, il faut lui parler plus gentiment. Ah ouais. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourrez augmenter la ventilation? Soufflante sur 5. Ah top. Et ouais. Incroyable. Donc, ça c'est ma ceinture. Effectivement. C'est la mienne aussi. Ah là, on a oublié la ceinture. Heureusement qu'elle nous a pas. Rappeler autrement à part le système sonore. Donc la voiture là, la 180 qui représente le cœur du volume de vente chez vous. Aujourd'hui cette voiture, qu'est-ce que vous attendez de cette voiture dans ce segment? Bah déjà on est sur le segment des compacts. Alors, un des points fondamentaux pour le segment des compacts, c'est en fait le point d'entrée dans la marque. Donc, c'est très important de pouvoir recruter dans la cible des jeunes et des femmes, de nouveaux clients. Et c'est aujourd'hui par ce segment que se fait l'entrée dans le portefeuille de marque. Donc, il était pour nous très important d'avoir un produit qui était au goût du jour. Et aujourd'hui, on sait très bien que la clientèle... notamment les jeunes ultra connectés et donc avec ce système MBUX c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir être en symbiose avec la voiture. Alors on a vu tout à l'heure comment est-ce qu'on pouvait changer la clim, on peut aussi changer la radio, la chaîne, appeler au téléphone, envoyer des messages, demander à lire des SMS. Ouais. Donc c'est vraiment très pratique et très agréable comme système. Alors au-delà de représenter un point d'entrée dans la marque, il s'agit d'un segment à volume. C'est un segment qui représente voilà. 15% du marché du premium. Voilà. Donc on est sur un marché qui pèse entre 900 et 1000 véhicules par an, dont nous occupons déjà la position de leader avec plus de 40% de part de marché.
et nous ambitionnons clairement avec ce modèle-là de dépasser la barre des 50% pour frôler les 450 à 500 véhicules par an. Donc c'est un modèle qui n'est pas du tout négligeable dans ce qu'il représente directement et indirectement pour la marque. Super. Bon, déjà c'est l'ouverture à l'étoile à une clientèle qui était habituée à des voitures beaucoup plus chères et beaucoup plus luxueuses, sachant que Mercedes a lancé ce système la première fois sur cette voiture et elle va le cloner sur d'autres modèles plus haut de gamme. Exactement. On avait l'habitude de voir les nouveautés arriver par la classe S. Par le haut. Et maintenant, ça rentre par le bas. Tout à fait. Puisqu'on verra ce système MBUX équipé d'autres modèles de la gamme au fur et à mesure de leur développement. Et dans un moment où on parle beaucoup de voitures connectées, de conduite autonome, on voit déjà qu'on en est au début et disponible au Maroc. Et ça, c'est très appréciable. Ouais, le freinage d'urgence. Alors, on a tous les équipements de sécurité que l'on peut imaginer, avec bien entendu le freinage d'urgence, détection d'obstacles. C'est ce qui se fait de mieux dans le marché. Parfait. Donc là, même sur cette configuration, plus ou moins entrée de gamme, on a les palettes au volant, on a les deux écrans tactiles de 7 pouces. Ça peut aller jusqu'à celui-là est de 10 pouces. Il est de 7 pouces et ça peut aller jusqu'à 7 plus 10 pouces. Voilà, 7 plus 10 pouces. Donc vraiment. Et tout est électronique. Tout à fait. Et on peut personnaliser même l'affichage que l'on a au niveau du tableau de bord. Ouais. Donc aujourd'hui, Mercedes offre sur ce modèle à partir de la 180 chevaux, à partir de 116 jusqu'à la 250D avec 224 chevaux. Et le client a une palette très très large en motorisation et en finition. Il y a quatre finitions, il y a la normale, il y a la prestigieuse je pense. Il y a la style, il y a la prestige, il y a la MG Line. Voilà. Et chacune bien entendu des finitions sur l'ensemble des versions ou des motorisations qui sont disponibles. Ouais. Donc boîte automatique 7 rapports, oui. Hyper fluide. C'est vraiment très très la boîte sans aucun à-coup. Bon, c'est vrai qu'on roule à des vitesses très faibles, mais les boîtes automatiques Mercedes sont depuis très très longtemps reconnues pour leur fluidité. Aussi la suspension, là on est vraiment dans du velours. Du velours, tout à fait. La qualité de finition. Alors là aussi sur la qualité, c'est quand même une grosse nouveauté sur ce segment, ouais. Puisqu'on monte complètement en gamme. On est dans du soft touch partout, à tous les niveaux. Et puis ça vraiment, on sent que c'est robuste, c'est très qualitatif. C'est très qualitatif, c'est une vraie montée en gamme. Et pour une motorisation de 1,6 litre de 216 chevaux, super super bien insonorisé. Ouais. Donc c'est très important aujourd'hui l'insonorisation. Ouais. Et là on voit la caméra de recul en haute définition. Haute définition, ouais, vous voyez là, vous voyez le paysage, il est magnifique. Voilà, et donc la boîte est toujours très fluide, la voiture, si on veut accélérer un peu. On a aussi une sono qui est très, très agréable. Là, on est sur la version aussi pour un modèle comme ça
hyper réduite. Là, on parle de 4,5% en conduite mixte. Donc, c'est des vrais appétits. Une voiture à appétit d'oiseau. Donc, vraiment, on a presque tout. Quoi. Bref, la voiture, elle est vraiment. Donc, on offre des équipements supplémentaires, un confort de conduite encore meilleur. Un benchmark dans le segment, que ce soit en matière d'équipement comme en matière d'entertainment et comment dirais-je, je veux dire une belle entrée dans la marque à des prix qui sont compétitifs, ouais. Ce qui augure d'un beau succès pour ce dernier né de la gamme. Inch'Allah. C'est Adil, merci beaucoup. C'est moi. On vous souhaite que de la réussite, Inch'Allah. Inch'Allah. Et excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.